Bonjour. Bonne année. Bonjour, partagez ma vidéo s'il vous plaît. Comment vous allez? Là pour la dose au quotidien. Bonjour, bonjour. Merci, Espérance. Je reçois beaucoup de témoignages. Beaucoup, beaucoup de témoignages. Il est temps pour vous de sortir de la religion. Avant, quand tu partais à l'église le 31, tu te disais que tu as pointé ton année. Et à la fin d'année, tu te rends compte que rien n'a changé dans ton année. Donc, si vous venez d'arriver sur la page ici, vous ne comprenez pas trop ce qu'on fait ici. Je suis là pour vous sortir de... Je vous sors de la religion. Je vous sors de l'inertie. Je vous sors de... du sommeil. Donc, tout d'abord, je vais bénir ce que je vais dire. Seigneur, je viens bénir cette vidéo. Je bénis toute personne qui va l'écouter. Je demande que ton esprit puisse éclairer ces personnes. Que tu sois comme un soleil dans leur vie. Que tu utilises mes paroles comme un canal, un vaisseau que le Saint-Esprit va pouvoir utiliser pour impacter leur vie. Je viens contre les découragements. Je viens contre l'esprit d'abandon. Je déclare, Seigneur, qu'à travers mes paroles, ils vont recevoir la direction, la confirmation et aussi la sagesse. Au nom de Jésus, amen. Vous entendez les oiseaux qui sont ici là? Ah, c'est la meilleure chanson de la journée. Bonjour, James Wafo. Vous savez, voilà une autre année qui commence, non? Voilà une autre année, non? On t'a fait croire que, en fait, tu dois te rendre compte que depuis 35 ans, tu fais la même chose chaque fin d'année. Et que depuis 35 ans, rien n'a changé. C'est Einstein qui a dit que c'est la folie de faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Donc tu fais toi que la même chose. Comme on dit que c'est la même chose. Toutes les mêmes choses. Chaque jour. Le 31, tu prends ta bière, tu coupes ça. Tu pars, tu t'assois. Peu importe le pays. Vous connaissez le rituel des Camerounais, non? Tu vois un Camerounais en Bénin, il est à Dubaï. En Turquie. En Angleterre. Même chose. Il habille ses enfants, il met l'habit de Noël. Il se filme. Après, il part, il mange. Après, il dort. Il se lève, il part un peu se balader. Après, il rentre, il dort. Voilà la fête. Tu attends le 2 ou le 3, tu repars au boulot, non? Tu repars dans tes 2 000 euros le mois, non?
Commencez à réfléchir. Réfléchissez. Certaines personnes, c'est l'agent de la fête, là, c'est même trois personnes qui ont trois baby daddy. Tu as quatre enfants avec trois pères différents. Ce sont les pères là que tu as cotisé l'argent pour faire la fête de fin d'année. Vous comprenez? Je dors pas trop, mais tu dors pourquoi? Merci à Aménia, bonne fête aussi. Pour sortir, parce que tu es dans le système, tu pleures. Wow! À la fin du mois, je n'économise même pas $200. C'est quelle qualité de vie ça? Tu es toujours dedans. Tu es toujours dedans que Kouchou Kouchou. Quelqu'un est venu l'autre jour, elle m'a dit que. Elle écoute tellement mes vidéos que. Elle me dit que. On parle. Après, elle me dit que Kouchou Kouchou. J'ai dit que tu écoutes vraiment mes vidéos. Ouais. Un moment, c'est comme si tu ne vis plus pour toi-même. Un moment, c'est comme si tu es dans tout, que tu, on t'a mis sur la colline, tu descends devant, tu ne peux plus t'arrêter. Tu ne peux plus. Ça fait seulement grrr, les enfants, les factures, la femme, les belles familles. Tout. Si tu ne pars pas au boulot, tu fais comment? Facture, voilà. Hey, application, il faut demander la nationalité. Ça te prend quand même $3,000. Paye l'avocat, fais la requête. Tout l'argent que tu travailles. Yay. Yay. Merci, monsieur Tara. Je vais vous donner quelques clés qui vont vous permettre de sortir du trou dans lequel vous êtes déjà. Et quand je dis true, tu peux avoir un salaire fixe depuis déjà 5 ans. Hein. Mais quand tu regardes bien, tu n'as rien fait avec elle. Tu n'as rien fait. Effectivement, tu n'as plus besoin d'avoir de te plaindre. Je veux que vous compreniez que moi, je me rappelle en 2016. C'est la dernière fois que j'ai travaillé pour quelqu'un. On m'avait dit, quand je suis arrivé en Europe, on me dit que cherche les papiers. Dès que tu as les papiers, cherche seulement un bon boulot CDI. Vous voyez les petits boulots où on te paye. On me payait dans mon boulot là, 1000. Avant les taxes, c'était 1200 pounds. Quand il retirait toutes les taxes là, il me retrouvait avec peut-être 990 pounds. J'avais déjà mis mon système de telle façon que j'avais mes loyers que je prenais à gauche, à droite. J'étais devenue bailleresse. J'avais 26 ans, 27 ans, j'étais bailleresse. J'avais déjà même 2-3 loyers qui venaient. Donc, je prenais leurs 1000 pounds là. Par mois, je me trouvais avec 2500 pounds. Je ne souffrais pas. Mais je voulais sortir de ça. Un matin, je me suis levée. C'est vrai que vous dites souvent que non, c'est surtout les hommes. Ils me disent, non, tu sais, ça prend du temps. Si tu veux sortir d'une... Hein, non, bébé, si tu me trompes, ne me dis pas que ça te prend du temps pour te séparer de la fille là. Bébé, si tu pars, tu fumes, tu marches avec les mauvaises personnes, ça ne doit pas te prendre du temps pour sortir de quelque chose qui te fait t'endort, qui te fait tomber. Donc votre corps vous a dit qu'il te faut le temps. En attendant, tu vas faire comment? Ah, les factures vont faire comment? Voilà ce qui fait que vous restez toujours dedans, hein. Un choisi ne doit pas travailler pour quelqu'un. Tu fais peut-être tes prestations de service. Tu fais peut-être tes consulting. Tu arrives là-bas, tu pars. Oui, bonjour. Je suis là pour 2 jours dans votre entreprise. Après, tu sors la facture. Et ta facture de 3 jours là, c'est le salaire que quelqu'un touche dans l'entreprise là pendant un mois. Vous devez, je veux que votre vision s'ouvre. Arrêtez. Oh. Que je cherche un petit boulot. Je vais un petit boulot où je vais toucher seulement 100 000. Et tu vas dire que tu me suis. Tu vas dire que tu es mon follower. Pardon, ne me mets pas la honte.
Je veux seulement un petit et que visez grand. Aïe, je sais pas si vous pouvez taper votre tête comme ça là. Coco, coco. Si je peux planifier pour avoir 2 millions, pourquoi ne pas planifier une fois pour 50 ou 100 millions? En visant 100 millions, je ne peux pas avoir 100 000. Je vais au moins avoir 20 millions ou 30 millions. Vous me comprenez? Bonjour le roi Feu. Bonjour la reine Joanna. Je veux seulement ma petite situation avec ma petite maison. Hey, moi, je n'ai pas 27 ans. Hein. Je suis Bastos. L'onction qu'il y a sur moi, là, ça fait qu'elle ne vieillit pas moi. C'est pour ça que les jeunes, tu vois un jeune de 21 ans, il me drague. Il dit que mon père, si j'accouchais vite comme mon enfant à ton âge, ma première fille a 17 ans. Ma première fille aura 17 ans en janvier. Donc, je veux seulement ma petite maison. Je veux seulement un petit terrain. C'est pour ça que vous avez besoin de mentors. Je suis le mentor de beaucoup d'entre vous. Hein. Vous ne savez même pas. Je suis le mentor de beaucoup d'entre vous. Il y en a parmi vous qui ne pouvez pas passer une journée sans venir m'écouter. Et ils ont fait le genre que je ne peux pas passer une journée sans venir parler. Donc tout le monde est content. Si je peux chercher à acheter 100 mètres carrés, pourquoi ne pas me dire que je peux avoir 1000 mètres carrés? Pourquoi pas un hectare? Pourquoi pas un hectare? Hein? Il y a cela quelques mois. Je voulais louer une villa. Vous savez, après le truc que vous avez vu sur ma page, je vous ai parlé de la... J'avais pris une villa l'année passée. J'ai commencé à faire des travaux là-dedans. Après, ma femme là s'est levée. Quand je vous racontais l'histoire là, je n'avais pas encore pris ma nouvelle villa. Et je sais même pas, je crois que je n'avais pas encore trouvé la nouvelle villa. Hein. Ouais, je n'avais pas encore trouvé, je pense bien. Ton frère dit que c'est encore la dame du sel là. Hein. Merci, monsieur Robert. Je sais que je suis belle. Hein. Je reste comme ça, je dis que, ok. Vous savez qu'au Cameroun, quand tu loues la maison, on dit que tu payes un an. Ok. Je reste, on dit, ok, payons. Je trouve l'endroit, on dit que, oh, madame, il faut payer un an. Je vois l'argent des un an là, je dis que, ok. Au lieu de mettre ça dessus, autant mieux que j'achète même un terrain quelque part, j'oublie un peu, non. Le même jour là, j'ai dit à l'agent immobilier, tu ne connais pas quelqu'un qui vend les terrains. Bon, je me disais, au pire des cas, j'achète 1000 mètres carrés. D'accord. Si vous êtes obsédé par mes vidéos, c'est parce que votre esprit, il y a quelque chose dans votre esprit là. Vous savez que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Sylvie, je ne vais pas rentrer dans ton sujet. Tu as compris? Tu as ton téléphone, tu es en train de m'écouter. Comment tu dis que tu es seul? Comment lutter contre la solitude? Parce que tu passes ta nuit, tu te tournes sur le lit comme ça là. Prends mes vidéos, tu regardes. Comment donner? Je vais te bloquer de ma page. Ceux qui viennent d'arriver, moi, ils bloquent moi les gens. Je bloque Roha. Vous avez compris? Bonjour la reine Ruffin. Le gars là me dit que, ah oui, 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 oui. J'ai bon boulot, madame Simon. J'ai un père là comme ça là. Le lendemain matin à 7h00, le père a dit que je vous emmène au champ, en brousse. Je mets mes bottes, on part. On est parti loin. Je lui dis que le père, je suis venu pour regarder 1000 mètres carrés. Il me dit, ma fille, voilà les gens des pères que vous devez avoir. Il me dit que ma fille, tu ne peux pas quand même prendre seulement 1000 mètres carrés. C'est pour me faire quoi? Tu veux faire quoi avec le terrain que tu vas acheter là? Il dit, non, c'est pour faire, je veux faire l'école. Après, je veux même faire l'orphelinat plus tard. Après, il dit, ah, tu dois prendre 1 hectare. Quand il dit 1 hectare comme ça, j'ai dit, oh non, c'est trop quand même le père. Ok.
on regarde tout. Je lui fais une avance. Il va venir le lendemain pour verser le reste. Quand je suis en train de faire l'avance, il me dit que tu sais quoi? Non. Je vais te faire, tu vas payer en plusieurs paiements. Mais tu dois prendre 2 hectares. Parce que pour ce que tu as fait là, tu as besoin d'espace. Il dit que ouais, le père, ce n'était pas dans mes projets. Il me dit, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de tout payer aujourd'hui ou demain. Ça me met en sécurité, je prends les deux. Me voilà, je sortais pour acheter 1000 mètres carrés. Vous m'écoutez? Je sortais pour acheter 1000 mètres carrés, je m'engage là. Quelques heures plus tard, pour 2 hectares. Écoutez bien, 1000 mètres carrés, ça veut dire que c'est 1000. 2 hectares, c'est 20 000. Je prends, je rentre à la maison. Il reste dans la nuit, ok. Vous savez que Dieu fait ces choses, non? Le lendemain, je lui fais le versement. Et il devait me sortir les papiers parce qu'il devait faire la demande pour qu'on fasse la demande de mon titre à moi. Il me remet la demande là 6 jours plus tard. 2 jours avant le jour, il me remet ça. Il me dit, ma fille, tu sais quoi? J'ai encore un autre terrain que je dois te montrer. Il m'amène quelque part là. Il me montre 56 hectares. Il dit, ok, je fais alors comment? Il dit, ma fille, tu sais, j'ai même réfléchi dans la nuit. Dieu m'a parlé. Je ne te donne plus seulement 2 hectares. Dieu m'a dit de te donner à cadeau 1 hectare. 1 hectare. Cadeau. Et je vais te rajouter 2 hectares au prix de 40%. Donc 60% moins que les 2 autres hectares que j'ai déjà pris. Quand j'ai vu le nombre de millions qu'il y avait sur la facture là, j'ai dit que ma Samia, est-ce qu'elle veut payer la fessée? Donc en fait, ça a un peu, peut-être que ça a bousillé un programme dans ma tête. J'ai dit que ok, d'accord. Que c'est qui a dit? Il me dit que Dieu m'a parlé la nuit. Il m'a dit que ton projet là, ce sera un truc très grand. Tu ne dois pas seulement prendre 1 hectare ou 2. Moi, ma part que je donne, c'est 1 hectare. Et puis, je te rajoute 2 hectares sur les 2 que tu prends déjà. 60% de réduction. Je me retrouve avec 2 hectares que j'ai payé full price, 2 hectares que j'ai payé 40% du prix, 1 hectare gratuit. Il a fait la facture, il a mis le nom, il a mis les millions sur ça, il aligne les 0-0. C'est la première fois que quelqu'un me mettait sur un papier que tu me dois autant d'argent. J'ai dit que, ok, vous savez en combien de temps j'ai fini de payer ça? 1 mois et demi. On a fait notre contrat, on partait sur 24 mois. J'ai payé en 1 mois et demi. Il n'y a pas 1 hectare au Cameroun qui coûte 1 million. Donc, si j'ai pris 5 hectares, vous savez que ce n'est pas 5 millions que je lui devais. Il y a des moments où Dieu va vous amener quelqu'un pour pousser. Donc, vous faites comme ça là. Donc, tu réfléchissais ta part, tu disais que non, je vais acheter ma petite starlette. Ma starlette va me coûter 2 millions. Je vais tuner ça à 500 000. On va te mettre la voiture de 12 millions. On va dire que c'est que ça. Ce n'est pas l'argent qui manque. C'est votre vision qui est petite. Tu as vu petit, tu as demandé petit. C'est pour ça que tu as petit. Donc, les calculs sont très simples. Écoutez, les calculs ne sont pas compliqués. J'ai petit. Et la villa dans laquelle je suis maintenant, c'est encore plus grand que celle que j'avais l'année passée. On m'a fait des problèmes là. Il y a l'espace ici, là, jusqu'à. L'intérieur est grand. Donc, quand il reste, j'appelle mes enfants dans la maison. J'écris, je dis que non, je dois faire les talkie-walkie dans la maison aussi. Il faut que chacun ait son talkie-walkie sur lui. Je fais comme ça, je dis allô, allô, enfant numéro 1, tu es où? Il y a des témoignages souvent que je n'ai pas venu vous dire. Vous voyez mes cheveux comme ça, je n'ai pas besoin de vous impressionner. Mais je sais que Dieu qui fait dans ma vie, je marche sur les principes que je vous dis. Et quand je vous dis, vous savez, il va faire pour vous. Entre les deux, l'année passée, c'est le 31 octobre.
qu'on m'a retiré de la villa là. J'ai fait un jour en cellule. Cette année, j'ai aménagé ici le 22 décembre. Donc un an et peut-être deux mois plus tard. Un an, deux mois, on va dire deux mois. Le Seigneur m'a dit ceci. Vous avez souvent dit que non, cache tes ennemis, ne doivent pas savoir. Le psaume 23, on dit, il dépose, he set a table before me, in the presence of my enemies. Il y en a parmi vous, vous avez fait 20 ans en Europe, même un terrain vous n'avez pas. Bon voyage, monsieur Wafou. Même un terrain, tu as déjà essayé d'acheter le terrain, chaque fois que tu as l'argent du terrain, un problème sort. Et le problème là, c'est la somme du terrain. Le problème là, c'est la somme du terrain. Vu que tu as dépassé, en fait, tu as accepté. Opine. Donc, quand tu commences à accumuler l'argent déjà, là, tu connais que le problème arrive. C'est par où maintenant? Quand je vends déjà 500 000 en un mois comme ça, là, une maladie va sortir. La maladie de 450 000 va sortir. Je viens vous dire que tout ça là, ça s'arrête. Comme voilà le 31. Écoutez, oh. Moi, je suis votre part de prophète. Dieu m'a envoyé dans votre vie. Profitez pendant le temps que je parle. Il y a des périodes où je serai en train de voyager, je n'aurai un peu le temps de faire les dires. Tu vas rester comme ça là. Tout ce que tu vas faire, tes ennemis vont connaître. Mais personne ne va te toucher. Écoutez-moi bien. Vous croyez qu'ils ne font pas déjà? Ils font. Vous croyez qu'ils ne savent pas ce que vous faites? Ils savent. Non, il ne faut pas que... il ne faut pas que... Ils sachent que je vais acheter le terrain. Ils ne veulent pas que... Il ne faut pas que... Écoutez, je chasse la peur de votre cœur au nom de Jésus. Je mets le courage en vous. Je dis que l'année 2022, si comme on entre dans quelques heures, personne ne pourra plus vous arrêter dans votre famille. Leurs paroles, leurs actes, leurs gna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 gn
Quand vous ouvrez là, vous versez un peu au sol. Vous allez faire ce qu'on appelle la libation. C'est une libation. Vous versez. Vous dites, mes ancêtres, Saint-Esprit, Seigneur Jésus, Dieu le Père, Marie, la Reine des Reines. Je verse cette boisson. C'est mon goût, non? Les ancêtres disent que, à quoi pour? Comme je verse là, je déclare qu'on ne va plus jamais s'asseoir quelque part, comploter contre mon nom jusqu'à boire la bière, ça va marcher. Ni le whisky, ni aucun breuvage ne pourra encore être bu quand il s'asseye, il parle contre mon nom. Tu fais ça, tu verses, tu bois encore ta part, tu coupes encore un petit là, ça là. Ça, c'est les secrets que je vous donne. Ils vont s'asseoir, ils vont commencer à mal parler de vous comme ça là. Ils vont se chamailler eux-mêmes là, ils vont se gâter, ils vont partir. Préoccupation numéro 1, devenir riche. Préoccupation numéro 2, rien. Préoccupation numéro 153, avoir un enfant, me marier, ceci, cela. Parce que sur 152 préoccupations, c'était d'abord la richesse. Vous n'avez pas l'argent parce que vous ne pensez pas à l'argent. Depuis que tu t'es levé, tu es réel, il ne m'a pas appelé. Il avait quelle femme? Tu crois que l'homme la pense à toi? Bête. Zoyou, vous êtes bête. Excusez-moi, je vous insulte. Personne ne doit être locataire dans ta tête. Parce que le locataire là, c'est ça que tu vas voir. Bête, je mets l'argent dans ma tête. Case numéro 1, agent. En fait, on va mettre les devises. Chambre numéro 1, chambre occupée, les dollars. Chambre numéro 2, oh, l'euro est passé. Oh. Chambre numéro 3, c'est plutôt le dollar canadien. Attendez, je vais vous chanter les chansons. Ouais, Seigneur. Tu te tournes dans la nuit. Tu te tournes. C'est comment? Ok. C'est le club des sans t-shirts. Je suis en train de faire mon direct, pardon. Avec vos commentaires là, ils vous connaissent. Mes enfants sont déjà réveillés. Ouais, que. Il venait déjà me déranger. Ça fait 3 jours qu'il ne m'a pas appelé. Est-ce qu'il pense encore à moi? Tu te tournes. Tu te tournes. Yay. Yay. Ouais. Ouais. Ha. Ouais, Seigneur. L'argent vient du diable. Hein, mamie, hein. L'argent vient du diable. C'est quand tu vas voir, tu te vois à l'arrêt du bus, sous le foie, en plein réveillon. Comme ça là. Passe avec sa Bentley. Vroom, vroom, vroom. Il est au feu. Tu entends? Donc, tu sens qu'on n'est pas dans le même univers parce que la voix, le son dans sa voiture, c'est boum, 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 boum. Les sièges chauffent. Toi, tu es à l'arrêt de bus. Le froid, c'est là. Le bus, ça vient à quelle heure? Vous n'avez pas encore souffert. 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 Vous parlez de quoi? Tu es arrivé un jour au supermarché. Ça m'est arrivé souvent quand j'étais en Europe. Et pas au supermarché, ma fille. J'ai à peine 10 pounds pour la semaine. J'arrive à la caisse. Je vois quelqu'un vient sortir. Ah, ouais, le froid du Canada, non. Prêcher et parler.
Vous allez lire sur le calendrier, ma mélité. Quelqu'un arrive à la caisse. Il a pris la trottinette. Vous voyez les trottinettes des jeunes qui se mettent debout sur ça comme ça là. Où il pédale ça comment? Ça avance seul. Ça n'a pas de câble. Donc déjà, il te met debout dessus là, ça avance seul. Après, ça rentre, ça tourne. Il prend ça pour ses 5 enfants. Chaque trottinette, c'était 200 pounds. Toi, tu as la caisse, tu as 10 pounds sur toi pour manger pendant une semaine. Lui, il vient, il te sort 1500 pounds, il achète les trottinettes, il achète. Après, il dit à ses enfants, allez prendre tout ce que vous voulez. Toi, tu dis que, hein? Tu dis que, non, hein? Donc, on est sur la même terre. Ok. Donc, on est venu vous accompagner, hein? Ok. Ok. D'accord. Écoutez, hein? Quand je parle d'argent, vous venez, vous faites les sceptiques parce que vous n'avez pas encore bien souffert. Vous n'avez pas encore bien souffert. Et quand tu t'assois avec quelqu'un qui a l'argent, tu vas voir que 80% du temps, il parle que d'argent. Oui, on va aller dans tel business, on va faire comme ça. Sacha Happy, il y a trop de tout dans toi, mamie. Il y a beaucoup de traitements que tu dois prendre. Ça a réveillé beaucoup de choses dans ton corps. Tu restes comme ça là. Tu dis que. Quand vous faites vos commentaires, j'oublie même ce qu'il disait jusqu'à ça me plaisait. Je disais quelque chose qui me plaisait jusqu'à. Appelez-moi encore. Voilà, le riche. Il dit que oui. On va aller dans le restaurant là. Ok. Un jour, j'ai marché avec un milliardaire blanc. On s'est rencontrés. Il partait à Majorque. Moi, je partais à. Je rentrais à Birmingham, je pense. Avant, je ressemblais à une star. Bon, c'est vrai que je ressemble à une star. Quand il marchait, ça, je voyageais aussi beaucoup. Donc, du coup, j'étais dans les aéroports toutes les 3 semaines. Donc, j'avais les cheveux jaunes, j'avais les blousons blancs, les pantalons jaunes, j'avais un look. Ce qui fait quand j'ai toujours l'esprit très ouvert. Parfois, ça dérange un peu certains de mes gars. Genre, tu sors avec un gars, tu arrives quelque part, ton énergie attire tellement les gens. Il te laisse quelque part, il dit que je pars aux toilettes. Il revient 5 minutes plus tard que tu es en train de parler avec 4 personnes. Et ça l'énerve. Mamie, c'est ton onction. Voilà ton onction. Avant que je ne comprenne et que je dise que si un homme va être avec moi, il va accepter seulement que ma bouche là doit parler. Les enfants, où j'allais quelque part, les enfants ont venu sur moi. Je suis allée à la banque l'autre jour pour prendre l'argent. Une petite fille entre avec son père. On était 6 sur le banc assis. Elle laisse son père qui passe s'asseoir à côté de moi. Elle vient que sur moi. Je la porte. Oh, elle a peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Le milliardaire là, on a fait peut-être 2 heures d'escale. Il marche pendant qu'on a fait les commentaires. Tu vois, tu pars devant Louis Vuitton, tu regardes. Pendant que tu as regardé, il entre dans un magasin, il regarde, il dit, oh, regardez les étagères là. Je crois que dans mon shop qui est à Bruxelles, il faut que je mette déjà l'étagère ici. Il filme, tac, je vais envoyer ça à mon directeur de production. Tac. On marche. Après, il arrive à Starbucks. Il dit, ah, j'aime bien les emballages ici. Disons, il prend, il regarde. D'accord, je vais acheter un échantillon. Il prend, il filme, tac. Après, on arrive quelque part, il voit une grande affiche. Waouh, ok, d'accord. J'étais allé une fois. Il dit que ma mamie. Waouh. Marche avec un pauvre. Maman, ma soeur est venue l'autre jour à la maison. Faut voir comment elle me regardait. Maman, la fille, elle va me sentir. Chérie, tu parles avec qui hier dans la nuit? J'ai vu ton téléphone. C'est qui? Simone, c'est qui? Simone, c'est qui? Hein? Tu parles de Simone, non? Demain, tu vas découvrir Sandrine. Après demain, tu vas voir Minou, Papi, Poupi. Tu vas. Ouais. C'est pour ça que les gens sont toujours zen. L'argent rend heureux. Je reste souvent comme ça là.
Ouais, Seigneur. Je reste avec mon gano. Je touche mon téléphone. Je souris. Il dit, l'argent, je sais. Que même mes messages ne te font pas sourire comme ça. Je dis que, ouais, papa, tu veux quoi? Je reste encore, je touche mon deuxième téléphone. Vous savez que quand Orange Money t'envoie l'autre message, ça vient trois messages. Ça dit que soyez vigilants. Après, ça dit que quoi, désormais, vous pouvez. Je prends le téléphone, tape. Je dis, ah, yes. Il dit, l'argent. Je dis que, ouais. Vous savez quoi? Adoptez l'attitude que quand l'argent entre dans votre poche, tu es contente jusqu'à. Nous, les gens sont en train de dire, tu veux montrer que tu as l'argent pour qui? Non, 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 ça me plaît. Oh, pour ça me plaît. L'argent connaît quand vous n'êtes pas content de lui. Mais on m'a demandé, moi, ça m'a donné 500 000, non? Ouais, ah, ils m'ont demandé 2500 dollars. Ah. Je vais payer ma dîme, ça va encore même finir le tout. Pardon. Non, vous parlez de quoi? Non. Écoutez, ceux qui me font les dons souvent là, quand votre argent arrive à moi, ça me plaît. Jesus. Le goût de char. Quelle que soit la forme de l'argent, que ce soit pour les dons, que ce soit même le business, que ce soit quand ça en a ma poche, je dis argent, you are welcome to my pocket. Vous allez dire que je suis folle, non? En fait, l'argent peut t'acheter des expériences. Voilà les faits, non? Tu aurais pu louer un jet privé. Peut-être même ton propre jet. Tu amènes ta fiancée sur une île quelque part. On a recouvert la plage de cette île avec son prénom qu'on a mis des roses. On a mis des roses. On a dit, Viviane, veux-tu m'épouser? Et tu as mis des bougies comme ça, en forme de cœur. Et tu as encore mis... Écoutez, votre image, quand tu as l'argent, ton imagination là commence. Aminata Yabré, ne te dérange pas, je vais te supprimer. Je vais te bloquer. Tu as compris? Ce sont les pauvres qui vont venir dire que ça peut contribuer au bonheur. Pour manger aujourd'hui, vous allez acheter la nourriture avec quoi? Hein? Pas au magasin, tu dis, je suis heureuse. Donnez-moi, je voudrais du poulet avec ceci, avec cela. On va te regarder à la fin comme ça. Madame, où est l'argent? Ne paye pas, tu vas voir ce qu'on va te faire. Ça fait contribuer au bonheur. C'est fou le sourire d'une femme quand tu lui donnes l'argent. Quand ton, hey, l'argent de l'homme est sucré. Quand mon Dieu me donne l'argent. En fait, je crois que lui-même, ça lui plaît de me donner seulement pour voir ma réaction. Que ma mamie, que quand tu vas lui donner, elle va te sortir. Hey ya. Merci. Laissez. Je veux que ce soit naturel pour vous d'accepter l'argent. Parce que vous rendez des services. Vous refusez l'argent. Et après, pour demander un service, vous avez besoin de payer. Va maintenant dans un magasin, tu voles, tu mets dans ton sac, tu sors. On va t'arrêter. Tu rends un bon service, tu demandes qu'on te paye 20 000 au lieu de demander 200 000. Quand tu vas arriver le soir et qu'il faut manger à la maison, tu vas encore chercher un autre endroit pour aller chercher l'argent, non? N'est-ce pas? Et l'argent connaît. L'argent. Oh yeah, Seigneur. Ouais, Seigneur. Ouais. Vous allez voir que, un moment, je ne veux pas vous mentir. Parfois, il reste comme ça. C'est comme si les gens me poursuivent pour me donner l'argent. Que ma reine, prends, ma reine. J'ai dit que, yeah.
Il y a les dons qu'on me fait parfois. Je ne connais même pas la somme. Je dépose seulement dans l'autre argent. Après, je ne connais même pas ce que l'autre a donné. Parfois, on fait les dons. Je pars dans les endroits où on fait les dons. On fait les dons. Je prends et lance les mains dans le poste. Je mets les mains dans le poste. J'arrive même, je ne sais même plus qui était l'argent de qui. Et ça passe seulement en augmentant. La Bible dit dans le Proverbe 4, verset 18, que la lumière du juste va croissante. Ça va croissante. Donc, je ne peux pas vous parler de mon éthique de travail. Je bosse. Je bosse. Vous savez, Aminata, au revoir. Hein. Peut-être que tu ne me connais pas bien. Tu viens sur ma page, tu veux me parler. Tu apprécies, c'est mon opinion. Reste dans ta pauvreté. Il y a un peu le temps pour ça. Il y a des principes que quand Dieu m'a montré. Première chose, il m'a montré que je vais voir faire ton succès devant les gens. C'est-à-dire, tu n'auras plus peur. Parce que quand tu as l'argent, on commence à savoir. Quand tu vas acheter la grosse voiture, tu vas rouler avec, n'est-ce pas, on va voir. N'est-ce pas? Tu vas construire la grosse maison, n'est-ce pas, ils vont voir. Hein? Tu vas alors faire comment? Tu vas te cacher. Hein? Profitez de vos agents, c'est comment? Tu as l'argent, tu as même peur de t'acheter quelque chose parce qu'on dit, ah, si j'achète le diamant, je mets sur moi, ils vont dire, hey, montrer quel est l'argent. Hey, oui, oui, oui. Ah, non, 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 arrêtez. Première chose, il a dit, je te mets à table devant tes adversaires. Donc j'ai commencé à accepter qu'ils vont savoir que j'ai l'argent. Mais c'est mon argent, c'est pas pour eux. Parce que souvent quand ils savent, ils vont venir avec tous les problèmes de la terre. Je donne quand je veux. On ne me force pas à donner. Je donne quand je veux. Ils ne veulent pas donner, donne pas. Même si tu viens, tu dis que tu as dû mourir, que tu te fous ça pour l'hôpital. Je ne veux pas te donner, donne pas. C'est ça aussi qu'il faut qu'on vienne toujours, on vous estorque de l'argent. La pression. Oh, ma femme est à l'hôpital, elle doit accoucher. Oh, ma femme doit accoucher. Papa, quand tu mettais l'enfant là, j'étais là. Jesus is Lord. Bonjour, la reine Mafo. Quand on te paye, tu as peur parce que tu connais que les western que tu vas faire de moi là. Et qui est? Jesus. L'oncle si. Oh, la tante là. Oh, le patata. Oh, non, 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 non. Oh, non, 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 non. Il faut donner dans la joie. Si tu n'es pas contente, garde d'abord ton argent même pour une ou deux semaines. Garde un peu. Piap. Je vous dis, moi. Toi, quand tu es contente, I feel like I'm gonna bless somebody today. Ok. Take. Il y a des gens que quand ils vous demandent l'argent, tu sens un mauvais esprit dans la demande. It's not healthy, like, I don't feel you, I don't feel you, man. I don't feel you, you know? I don't know why, but I just feel like, you know? Nah, I don't want to give you, nah. Mm-mm. Tu ne donnes pas, regarde, ils vont souffrir, ils vont mourir, ils vont nanana, ils n'aiment mon oignon. Nah, je vais pas donner, Tu restes le lendemain comme ça. Ton cœur, Dieu te dit, prends même 300 000, tu donnes là-bas. Le Seigneur m'a dit de donner ici. Ok, donne-moi ton numéro. Tin. 10, 150, 10. Piouf. Le Seigneur m'a dit de donner. On donne avec le cœur joyeux. Même si c'est à moi que vous envoyez, pardon. Ciao, ciao. Deuxième chose que Dieu m'a dite, prenez les deux passages là, le psaume 23 et le proverbe 4, verset 18. La lumière de Jocelyne va croissante. La lumière, dans la Bible ça dit du juste, moi j'ai dit pour Jocelyne.
La lumière de Jocelyne va croissante. Jusqu'au milieu de la journée. C'est-à-dire que l'argent que j'ai aujourd'hui, ça ne peut pas dépasser l'argent que j'aurai demain. Ça ne peut pas dépasser pour ce que j'aurai après-demain. Chaque jour, même si c'est seulement 5 euros de plus, ton argent, premier principe que moi j'ai eu à prendre, mon argent doit couler tous les jours. Je veux vous dire, continuons. Je vais vous donner mes fondations, mes piliers qui ont construit ce que j'ai dans ma tête. J'ai les arbres ici partout, j'ai les arbres. Il y a des oiseaux dans les arbres. Vous entendez, il n'y a pas de voiture, non? Je suis quand même un peu dans le quartier. Le troisième principe que Dieu m'a fait comprendre. Vous savez qu'on fait la prière, on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque jour, tu es censé avoir l'argent. Vous me comprenez? L'argent est censé toucher ta poche tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Vous trouvez qu'on a dit que c'est une fois par mois ou une fois par semaine là? C'est le mensonge. Nalaï. Nalaï, nalaï, nalaï. Je vais laver votre cerveau sur la pauvreté là. Ah, cocorico est là. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Chaque jour, c'est pour ça que vous avez besoin de plusieurs sources de revenus. J'ai beaucoup de personnes qui ont commencé à me suivre, je suis dans les ateliers avec eux. Elles sont infirmières en France. Pour bouger une infirmière, pour qu'elle quitte de son mindset infirmière salariée et qu'elle pense qu'elle va pouvoir maintenant commencer à son business. Maman, ça m'a pris au moins 2 mois. Quand on faisait l'atelier de planification pour 2022, d'ailleurs l'atelier est disponible, ceux qui veulent l'acheter. L'atelier de planification, je le vends à 50 euros. Promotion pour 2-3 jours qui suivent. Donc si vous n'avez pas, c'est 4,5 heures de vidéo. Très puissant, très intense. Donc c'est 50 euros. Vous me donnez 50 euros, je vous envoie le lien. Les gens ont payé 150 euros pour la formation. Donc jusqu'au 5... Maman, cocorico, laisse-moi faire mon direct. Jusqu'au 5 janvier, je vais faire ça à 50 euros. Voilà. Quand on faisait la planification, la dame écrit ses projets. Elle est infirmière. Elle dit, acheter un terrain. Là, c'est le genre de projet qu'elle n'avait pas. Deuxième projet qu'elle a eu, c'était quoi? Et cocorico d'ici là, établit d'autres sources de revenus. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que dès que tu dis déjà que je veux faire ça, ça veut dire que c'est entré dans ton esprit. Quand ça entre dans ton esprit, il ne te dérange pas. C'est une question de temps. C'est question de temps. Dès que tu vois déjà quelque chose, ça veut dire que c'est déjà dans ta main. C'est déjà dans ta main. Il y en a parmi vous, même les docteurs. Quand je suis docteur, je suis salarié. Non? Écoutez, si vous m'écoutez, vous n'avez pas l'argent. Asseyez-vous, vous m'écoutez pendant 1 mois. Si vous ne lancez pas un business dans les 1 mois là, de liker ma page, vous partez, pardon. Deux oiseaux sont en train de bagarrer dans l'arbre là-bas.
Deux oiseaux peuvent bagarrer de quoi? Hop. En France, c'est passé 32 500. Voilà. L'atelier a été très puissant. Ouf. Le séminaire. Arrêtez de bagarrer là-bas, c'est quoi? Je parle aux oiseaux, oui. Quand vous me contactez, vous me demandez d'interpréter vos rêves. Il y a les jours où je suis fatiguée d'interpréter les rêves. Vous comprenez? Vous pouvez faire les vidéos, vous regardez la vidéo, vous écoutez, vous faites ce qu'elle dit. Une femme est venue me voir hier. Elle est au Cameroun, elle vient du Mali. Elle est au Cameroun pour quelques jours. Tu te laves au sel? Non. Tu regardes mes vidéos? Non. Je veux seulement que tu me consultes. Et bien sûr, elle vient s'asseoir, elle dit que okay, je veux que tu me fasses seulement la voyance. Et je dis non. Vous aimez qu'on vous raconte des fables. Vous n'aimez pas un truc qui va vous impliquer, que je vais faire, je vais agir. Le meilleur moyen de s'en sortir. Cherche quelque chose qui va impliquer ton travail quotidien. Tu te lèves, tu fais. Bonjour Joël, le roi Fougan. Hop. Les oiseaux, c'est là, vous savez qu'on ne bagarre pas chez moi. Hein? Je vais vous viser. Oh. Il y a les visas avec l'avocat. Il y a un avocat qui est tombé ici. Ce n'est pas bien. C'est pas bien grand. Ah, mais tiens, ils ont arrêté. Vous avez entendu ce que j'ai dit, c'est bien. Bon, j'ai fini avec vous aujourd'hui, je pense. Je vous ai donné trois principes. Premier principe, le Seigneur met une table devant vous, en face de vos ennemis. Deuxième principe, quoi? Votre lumière va toujours aller croissante. Troisième principe. Votre lumière va toujours aller croissante. Proverbe 4, verset 18. C'est-à-dire, votre lendemain sera toujours mieux qu'aujourd'hui. Vos finances de demain seront toujours plus que celles d'aujourd'hui. Troisième principe. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque jour, vous êtes censé recevoir de l'argent. Maintenant, sortez du principe où vous attendez tout que c'est quelqu'un qui vous donne l'argent. Parce qu'au début, quand je venais d'apprendre ces principes-là, j'attendais qu'on me donne de l'argent. Après, le Seigneur m'a fait comprendre que je ne vais pas attendre qu'on me donne, mais je vais établir des sources de revenus qui vont faire que l'argent entre dans mon compte chaque jour. Vous comprenez, non? Voilà. Si vous appliquez les principes-là, si vous méditez dessus, vous allez voir. Ah! Voilà, c'était votre dernier chant de Cocorico là-bas. Vous passez une bonne journée.